Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Yass la menace. Salam, salam. Yo! Et Myriam, vous avez vu, on est tous habillés en mode hiver. Les gars, il caille, il pleut, c'est une dinguerie, mais on s'est dit aujourd'hui, on fait une vidéo. Myriam, dis c'est quoi le concept d'aujourd'hui? On va vivre nous trois comme des jumeaux. Ensemble, on va devoir faire tout pareil les gars aujourd'hui. Donc la première étape, ça va être d'aller au magasin, ça j'ai tous les mêmes habits. Non, on va mettre des habits de filles. Non, non, mais genre les mêmes habits, les mêmes survêtements et tout quoi. Ah bien. Viens jumeau. Tu fais quoi? Attends, t'as mis quoi dans ta poche? Rien. Si, t'as mis quoi dans ta poche? Eh, on est jumeaux, tu dois... Ok, t'as de la chance. Eh, les jumeaux, toujours tout le monde les confond. Et là, on va pas vous confondre. Regardez comment vous êtes habillés. Lui, il est habillé comme un fou. Toi, t'es habillé comme une folle. C'est-à-dire, là, les gars, on va au magasin, on va s'acheter les mêmes habits. J'ai oublié mon bonnet dans la voiture. C'est pas grave, t'as ta capuche. Flemme, flemme, flemme. Vas-y, viens, jumeau, viens, jumeau, viens. Par contre, tu payes mon trail. Ça fait 4 mois, j'ai pas changé d'affaires. 4 mois. 4 jours, j'ai pas changé d'affaires. 4 jours, t'es habillé comme ça. J'ai plus rien. J'ai plus rien dans mon armoire. Oh là là. Mais ça fait. J'ai plus rien dans mon armoire. Attends, t'as encore mis ton pull Nike gris? Attends, c'est une blague. Les gars, ça fait 4 jours, il a... Ah, pour 1 milliard d'euros, je saute dans la piscine. Myriam, non. Eh, il est pas mal celui-là. Le Adidas rose, là. Ouais. Vous êtes des malades, moi, je vais pas mettre ça. Hein. Moi non plus. Il faut qu'on ait les trois mêmes affaires, sinon ça marche pas. Et je pense qu'il faut qu'on aille dans les trucs mixtes. Parce qu'il doit y avoir des trucs mixtes, genre des survêtements Adidas mix ou Nike mix. Mais vas-y, lui, tes filles garçons. Non, on va aller chez les grands. Il faut aller chez les grands parce que si c'est les petits, ça sert à rien. Si vous voulez pas mettre ça. Quoi, ça, là? Elle veut vraiment qu'on s'habille nous trois comme ça. Ça va aller. Vas-y, mets-le pour voir. Ça va aller. Mais on va voir la moitié de son ventre, Myriam. Mais on va voir son gros ventre poilu. Vas-y, viens. Par contre, je suis d'accord avec toi ce que t'as dit. Mais pourquoi tu vas aller dans Puma? On n'est pas dans Malcolm. Celui-là, il est propre, celui-là, pour le ça va. Vas-y, toi, vas-y. Ah ouais, non, j'avoue, oh, Myriam, il a raison. Ça va, on va bien, on va. Attends, je te promets, il a raison, il est propre. Proposition de Yacine. Je proposisais le mien aussi. On peut aller voir à côté, on peut aller voir à côté. Ouais. Ok, propose le haut et le pull. Franchement, ça passe, mais je préférais ma proposition à moi. Moi, je propose. Ce pull, pourquoi? Parce qu'on voit jamais AMG, il est trop stylé. T'as cru que t'avais une voiture ou quoi? Non, mais c'est une bonne marque. Regarde, en plus, t'as le bas aussi. Mercedes. Ah, c'est. On n'a pas la Mercedes, mais on a le survêt, c'est déjà ça. Bah, pourquoi pas acheter aussi un bas limousine, c'est la même. Ou un bas Nutella. Un bas Burger King. On a acheté tous nos habits, la famille, mais juste avant de les mettre, on va se régler à la machine à patates. Et aussi, on va aller aussi acheter des jouets à la grande récré pour moi. Non, non, on n'a pas dit ça, oui. Si, on a dit ça. Mais non. Allez, d'abord. On y va. Eh, hey, jumelle, viens. Hey. Viens. Vas-y, reste à toi. Jumelle, tu fais quoi, jumelle? Vas-y, à plus tard. À plus, vas-y, allez. Fais la grande. Vas-y, salut. Ça y est, elle est scourante, elle est. Eh, hey, tiens, pas 30 secondes, tout ça dans le magasin. Elle a 25 ans, elle prend encore des jouets pour les filles. On paraît commun, dans 5 secondes, elle va revenir, les gars, regardez. 2, 3, 4, 5. Wesh. Attends. Mais qu'est-ce. Ah, je la vois, elle est là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Myriam, dépêche-toi, viens. Viens, jumelle. Tu m'as dit que j'allais. Non, vas-y, viens, c'est bon, c'est plus drôle. Allez, on y va. C'est plus drôle, allez, viens, on y va. Mais au moins, ça, c'est gratuit, regarde. Et jumelle, on va mettre des patates dans les machines à coups de poing. Bah, je suis son jumeau. Oh là là, vas-y, moi, je les connais pas. Et moi, je vous connais plus, salut. Vas-y, salut. Tu parles avec moi, qu'est-ce que tu fais dans le sapin? Moi, c'est l'Aïd. L'Aïd me bloque, hein. Moi, c'est l'Aïd me bloque. Oh, y'a rien dedans. Allez, venons, on y va. Allez, on vient d'arriver à la machine à patates, elle a fait une dinguerie, frère. Elle a mis les pieds au lieu de mettre ses mains. Bah mets une frappe maintenant, mets une frappe. Moi j'ai pas envie de choquer toute la salle. Vas-y, mets ta meilleure frappe. Hein. Oh la pointe. Elle a mis une pointe à 300, à 291. Maintenant mets la patate s'il te plaît. Ok. T'es qui commence, on fait du plus petit au plus grand. On va voir qui est le plus fort de la famille. Ok, vas-y. Oh, oh. La veste et tout. T'as le droit. Ouais, allez. Oh, wesh! Elle a fait 200! 216! Impeccable! Il fait mal au poignet, hein, je t'avoue! Mon pull tout taché, regardez moi ce gros. Depuis 4 jours, il s'est pas changé! Oh. Non, mais j'ai plus rien! Oh le taré! Tiens, vas-y! Mets sa patate! Attention, oui! Oh là 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 là! Le record est à 900! 7, 8, 844 pour mon premier essai, mais je suis pas chaud. Peut-être que Younes va se péter là-bas. Je vais faire mon cinéma, enlever tous mes trucs. Oh, il m'a battu. Ok, je demande ma revanche. 855. Je demande ma revanche. Moi aussi, je veux ma revanche. Est-ce que ceux qui ont les cheveux longs, ils pourront comprendre quand on fait ça, c'est qu'on passe aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il nous fait là à faire le bougli? Ok, 855, va-t-il battre? 855. Voilà. On va où là? Younes, il y a un truc de ouf qui s'est passé. Vas-y, rentre, on verra, vas-y, rentre, dépêche-toi, rentre. Qu'est-ce qu'il me raconte encore là? Regarde, il m'emmène que dans des salles bizarres. En gros, regarde, ça fait 2 semaines que j'ai promis à Myriam que le 13 décembre on ira voir Willy Wonka. Et regarde là ce qu'il y a marqué ici. On est le 13 décembre, il y a Willy Wonka, Younes.
Et alors? Bah du coup faut que j'aille la voir avec Myrène parce que je lui ai promis. On doit faire le 24h. Vas-y, maintenant tu vas. Regarde, tu vas lui dire, tu vas la voir, tu dis on doit faire un 24h. Mais va péter un câble, je l'avais promis. Va la voir, c'est ton problème Yacine. T'as promis des choses, c'est ton problème. Dis-lui on ira un autre jour et wallah on ira un autre jour. C'est bon, j'ai juré. Myriam, va la voir. Myriam. Alors. Il y a une séance pour maintenant? Non, en fait, on ne peut pas aller aujourd'hui. C'est ça Willy Wonka. Oui, c'est ça Willy Wonka. On ne peut pas aller aujourd'hui. Oh, viens voir tous les popcorn. Je vais te tordre un doigt. Donc, aïe. Regardez, il y a des millions de popcorn. Ouais, Younes, il a dit qu'on peut pas aller aujourd'hui. Mais il a dit un truc, vas-y, dis-moi ce que tu m'as dit. On n'ira pas aujourd'hui, non. Mais on ira un autre jour. Non, alors on y va jamais. Non, viens, Myriam, viens. T'es sûr qu'on y va jamais? Viens. Ce que tu m'as dit, comme ça, elle va. Je t'ai dit, regarde, Myriam, là, c'est l'heure de la prière. On peut pas aller regarder un film et pas prier. Bah, on va après. Mais faut qu'on rentre à la maison. On ira un autre jour. On va pas partir et revenir. Il a juré, wallah, qu'on ira. J'ai juré, on vient un autre jour. C'est bon? Il a juré, wallah, donc c'est sûr qu'on va revenir un autre jour. Après l'école ou quoi, on se calera un jour, on vient. En plus, c'est les vacances bientôt, donc on pourra aller pendant les vacances. Ça va, c'est pas sécré. Non, c'est pas sécré du tout. On vient de rentrer à la maison, la famille, avec ma jumelle. Petit maillot bleu, c'est carré. On se disait avec Myriam qu'on avait hyper faim et moi, je voulais qu'on tape une pizza et toi? Burger. Pizza ou burger? Non, vous savez très bien que moi je peux pas manger de pizza. Non. Du coup, aujourd'hui ça va être quinoa. Ah ouais, c'est vrai, lui pas manger de burger, bah alors on annule. Mais non, wesh, on est des jumeaux, vas-y, viens, on mange comme lui, ça se trouve, ça va être bon. Voilà le menu d'aujourd'hui, donc je vous montre ma réserve. Wesh, mais c'est quoi? Quinoa. Attends, mais on en parle de sa réserve, mais mec, si. Attends, je peux vous montrer un truc? Vas-y. Je vous montre un truc, toi. Qu'est-ce qu'elle va montrer? Mais wesh! Y'a des mi-cadeaux? C'est pas ça, on mange pas ça, Myriam, c'est pas la peine, tu peux les ranger. Hein. Y'avait des mi-cadeaux, des bonbons, des M&M's. Par contre, maintenant que t'as montré ta cachette, tu vas voir que demain il t'en aura plus, il va tout manger. Non. Là, oh lolo, la cachette de fou. Bref, aujourd'hui c'est quinoa avec. Non, on pourrait croire que c'est des protes. Avocat quinoa. Mais c'est quoi avec ça? Le dessert, bien sûr, des pépites. Oui! Plaisir. Et c'est parti. Younes, s'il veut manger comme moi. Je vais pas manger comme ça, j'ai pas le choix. Du coup, on va lui faire la petite recette. Donc avant de commencer, il faut toujours commencer par le dessert. Toujours commencer par le dessert, comme ça au moins on attend le dessert. Et ça va être incroyable les gars, comme a dit Myriam. Prends un couteau, on découpe le pépito en deux. Tac, comme un sandwich. Tu fais ça comme un sandwich. Ensuite on referme. Tac, et on le dispose dans le bol ici. Chauffer le quinoa, on va le mettre à l'intérieur. On va mélanger le quinoa à l'intérieur. On est passé de burger à ça, c'est grave. Yacine il a dit on est obligé. Moi je goûte le pépito, je goûte un peu de quinoa et toi tu finis tout. Vas-y. C'est parti. On va goûter. Ça, Skip dit toujours ouais, c'est trop bon, nanani, nanana. On va voir tout de suite. Bismillah. Il a raison quand il disait ouais, c'est incroyable et tout. Wesh. On va goûter le quinoa. Alors là, pour ma part, on a des champignons. J'ai pris 2 graines, c'est tout. 1. Dis-toi, il mange ça tous les jours. En vrai, de vrai, c'est pas si mal que ça, mais c'est quand même un arrière-goût de rien du tout. Après avoir mangé la famille, j'arrive avec plein de cadeaux. Oui, Solic Champion. Il y a des casques, des manettes, des cartes PSN, c'est une. Let's go! Mais... Wesh, les gars, mais attendez, j'ai un truc à vous dire. Quoi? Vous faites quoi là? Les gars, c'est pas pour vous. Quoi? C'est pas pour vous, les gars. Myriam, c'est pas pour vous. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. À chaque fois, les abonnés, vous nous envoyez des messages. Je veux des cadeaux. Du coup, on vous a fait des cadeaux. Désolé, les abonnés, c'est à moi ça. C'est pour les abonnés, viens ici. C'est pour les abonnés, je t'ai dit, repose ça tout de suite. Non! Repose ça tout de suite. Jamais! Ouais, vous allez. Regarde. Avec Yacine, vous allez vous affronter. Celui qui emballe le cadeau le plus vite possible, il gagne 20 euros. 20 euros? Mais je peux m'acheter. C'est carré alors, avec 20 euros, je peux m'acheter. Non, mais ça, c'est pour les abonnés, tu reposes. Les jumeaux, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Qui veut commencer? Toi. Non, toi. Quoi? Yacine, commence, t'es le plus grand. Ok. Tu vas devoir emballer le casque. Ok, attendez, le plus rapidement possible. Si je l'emballe, j'ai la manette. Non, c'est pour les abonnés, je t'ai dit. Je sais pas. Mais c'est parti pour Yacine. C'est nul. Mais regarde comment il découpe. Même le Père Noël, il est choqué. La dit. Même le Père Noël, il est choqué. Ok, Yacine qui bug. Le scotch, t'as pas de scotch. J'ai fini. Le scotch, Yacine, le scotch, il est au coin de la table. Le scotch est au coin de la table. Ah, il faut mettre du scotch. Bah oui, il faut mettre du scotch. Ça fait combien de temps, Myriam? Ça fait 22 secondes. Ouais, c'est quoi l'emballage? Non, par contre, faut que. Stop! 28 secondes, 53. Ça passe. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti, top! Ok, Myriam, directement qui découpe. Elle est trop nulle. Oh lolo, regardez comment elle découpe, c'est trop lent. Eh, tu sais que moi j'étais plus rapide que toi. Là j'étais plus rapide que toi, je devrais aller plus vite. Et c'est pas bon. Il est trop grand, c'est pas valide. Tu vas devoir recommencer. Et top! 29 secondes 05. Je l'ai battu d'une seconde. Ah mais Yacine aussi il avait coupé jusqu'à là. Est-ce que tu souhaites partager tes 20 euros avec Myriam ou est-ce non, que tu souhaites... Non, elle a dit 10 euros. Tu m'as dit bois de l'eau. Non. Allez. C'est trop tard.
Si tu me donnes 10 euros, je te donne tout ça. Ouais. Oh, vas-y, va donner tout de suite. Non, je vais voir les 10 euros dans ta main. 3 secondes, 3, 2, 1. Myriam, t'échanges. Ok, non, c'est bon. Non, non. Ah les gars, on n'en peut plus, on souffre trop dans cette journée. Il nous a fait manger du quinoa, des avocats. Lui, il pouvait pas manger des fast-food. Ah, c'est trop, les gars, on était obligés, désolé, de se commander un Uber Eats. On a changé de pantalon aussi, parce qu'on veut plus ressembler à Yacine. Après, c'est une dinguerie. Donc là, on a pris un Uber Eats. Il fait une journée à l'envers d'une vraie. Non, on dit pizza burger, il nous a ramené ses quinoa, alors. Plus gros que toi. Regarde ça. Arrête. Ça, c'est de la bouffe. T'as dit quoi? Arrête, moi, je t'avais plus gros que toi. Vas-y, fais ton, dis bismillah, fais ton meilleur croc. Elle tape des plus gros crocs que moi, elle. Bismillah. Lol. Attends, croc. Croc. Attends, 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 laisse-moi. Vous avez vu, elle a croqué ça. Regardez juste ma bouche. Ça fait tout ça. Si je vais taper un croc, je vais taper tout ça. Soyez pas choqués, les reines. Mais attends, ça c'était le croc d'échauffe. Ah, genre, tu veux. Vas-y, hé, je vous laisse une deuxième chance. Vas-y, tiens. Tiens. Prépare-toi. On a mis quoi? On a mis cordon bleu, frites, sauce. Et les reines, on triche pas parce que là, on est en mode jumeau. Vous avez vu, on a changé de pantalon. On a le même pull. C'est carré dans l'axe, on a mis un petit soupule parce qu'il fait trop froid, les gars, c'est l'hiver, c'est une dinguerie. En plus, on a presque les mêmes choses, regarde. Vas-y, 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 ouais. Au lieu de parler chinois. Pas mal. Pas mal. Oh, pas mal. À mon tour, les gars, on va pas parler chinois. 1, 2, 3, bismillah. Vas-y, il t'appelle. Hein? Vas-y, il t'appelle. Oh non, vas-y, je vais lui mettre une disquette, t'inquiète. Je vais lui dire, je vais dire on fait des caps là ou un truc comme ça. Reviens. Tiens, je vais finir le tacos avant de l'y. Qu'est-ce que j'ai fait les gars? Qu'est-ce que j'ai fait? Non mais Younes il va être trop énervé contre moi. On m'appelle même pas ouais. Me dis pas que t'as mangé toute notre ration pour aujourd'hui. Non. Mais Myriam, tu m'as laissé que ça. Regarde mon corps de dinosaure. Bah, déjà ça content je t'en ai laissé. J'en veux pas, va te faire foutre. T'es sûr? T'es sûr? Laisse-moi tranquille, ne t'en fais moi. Vas-y. Bah ok, il en veut pas en plus là. Les gars, je fais comment maintenant? J'ai plus rien à manger. Si je descends en bas, il va me dire non, faut manger du quinoa, on est malade. Ça va être long aujourd'hui. Les gars, on va se faire un petit kiff vu que Myriam a eu sa nouvelle PlayStation 5. Nous trois, on va se connecter à la PlayStation, chacun à sa play. On va s'affronter à un jeu. On va voir qui va gagner. On fait un bull fight dans mon entraînement, nous trois. Mais non, pas un bull fight. Arrête avec tes bull fight, toi. Ouais, un bull fight, ouais. Non, pas un bull fight, pas un bull fight. La majorité l'emporte, un bull fight. On va faire des votes. Qui vote pour le bull fight? Non, on prend tous un sniper et on se fait un VS1, non? Bah oui, bah voilà. Bon, regardons, on prend le même skin. Ah ouais, nous trois on a le même skin, mais sache que je vais vous faire du sale, du très très sale, les gars. Ouais. Allez, c'est parti, les raies, on va les exploser. Attends, mais on a le droit de viser ou pas? Wouhou! Wouhou! Deuxième kill, bro! Wouhou! Troisième kill, bro! C'est moi le plus fort de ma génération, les gars, je vous le dis! Un Call of Duty! C'est parti pour tous vous mettre des flash cops, les bros! Bah, rien mettre du tout! 2 kilos en dedans! Wesh! Mets des noscopes! T'es où? Arrête de camper là! Oh! Ah je vais le venger pour la paix! Ah oh, s'il va t'arriver! Suffit! Hâte! Oh. Allez! Oh! Tiens! Je l'ai pas dit, gros! What? Oh my god, c'est violent ce qui se passe! Regardez ça, les gars! Oh. Bon, les gars, on va finir par un cache-cache. Je vais me cacher. Le premier qui me trouve, il a gagné, ok? Retournez-vous. Ok, je me mets ici. Cache-toi. Myriam, viens ici, Myriam. Viens, je vais me cacher. Viens. Viens, Myriam, on va se cacher. Mettez-vous là. On compte 1, 2, regarde le mur, tricheuse. Mais arrête de tricher, Myriam. Je te promets, elle triche. Moi, je me mets là. Regarde le mur. Surveille-la. Myriam, arrête de tricher. Myriam, arrête. Essaye de deviner ce que j'écris dans le mur, d'accord? Je suis caché. Eh, c'est incroyable, les gars, tout le monde a sa play, c'est trop stylé. Oh, ils passent tous à côté de moi. Il me voit pas. Il est là, tu le vois là. Bah alors, vous me voyez pas? Il est où? Ah, c'est pas lui là, il est là, Myriam. Les gars, je suis. Il est où, Younes? Impossible. Ouais. Non, c'est Myriam qui m'a trouvé. Eh, jumelle, copie même pas sur moi, je te le dis. Je remets mes 20 euros en jeu. Je vais devoir dessiner
Une personne en train de mettre une frappe dans un but, celui qui le fait le mieux remporte les 20 euros. J'ai pas le droit à les jouer. Bien sûr, vous avez maximum 3 minutes. Hein. Quoi ? Il reste 2 minutes là. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les crayons. Non, top. Attends. Posez les crayons. Présente. Yacine, vous voyez là avec ses beaux cheveux, Yacine. Avec un ensemble Nike, des crampons Nike, qui met une frappe dans la balle, les gars. Il est content parce qu'il a marqué un but et il a des muscles. Vous voyez. Pourquoi il y a une crampon Nike et une crampon sans marque ? Parce que le Nike, il est du côté extérieur. Tu vois, et là, à l'extérieur, on le voit pas. Alors, un t-shirt avec des crampons. Ici, c'est un ballon. En fait, j'ai dessiné au moment où il tire. Là, en mode, il est en train de tirer. Là, c'est le ballon qui va. Et là, il rentre dans les cages. J'ai même dessiné des cages. Et là, je fais su parce qu'il a marqué. Ok, je donne la victoire à Myriam. Félicitations. Yes. Bah oui, regarde. Regardez. Ouais, sinon les comment. Oh le rageux. À la fin de la journée, on va se mettre un petit film Netflix, on va regarder ça tranquille. Par contre, je propose qu'on mette ça à regarder. On va regarder ça, un film sur la guerre en vrai. C'est un petit documentaire, c'est carré dans l'axe. Non, on n'est pas en SVT, on regarde pas ça. Désolé, je quitte Netflix les gars. Comment ça ? Je vais sur ADN et on va regarder, je suis désolé les gars, on va regarder ça. Mais pas un dessin. Non. Tu vas mettre One Piece. On va regarder One Piece. Non, on veut pas. Vous avez tous aimé normalement. Même si tu n'as aucune chance de me toucher. Bah qui ? Bah oui. Tu pourrais au moins sortir tes mains par réflexe. Mais ça me donne envie de faire un combat, on se tape. Hajime ! T'es prête ? On se tape la main. J'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, d'être jumeaux pendant 24 heures, c'est. C'est un peu relou hein, de faire tout le temps la même chose. Moi, j'ai bien aimé, on s'est bien amusé. Ouais, c'est vrai, mais tout. D'un côté, quinoa, c'est pas bon. Je crois que j'ai une calvitie ici, j'ai pas de calvitie. Non, non ça, c'est une calvitie. Yacine, c'est là la calvitie. C'est là. C'est là. Ouais, c'est pas devant. Pas de non, c'est pas devant. On veut juste te dire un petit dernier truc avant. Myriam, tu dis ce qu'on a mangé parce qu'on avait faim. Un Uber Eats. Quoi ? Mais vous avez pas le droit d'être des jumeaux. Mais on devait te le dire, désolé, parce que le quinoa, c'est pas. Bah, vas-y, moi je pars. Bah, t'as qu'à partir, écoute. Je suis plus jumeau avec vous. Voilà. Non, Yacine. Ouais, bah, pars, c'est ça. Le quinoa, c'est pas bon. Tu veux bien rester mon jumeau ? Non, toi aussi, tu m'énerves. Wesh.